compliqué. Coucou tout le monde, bah, je fais tourner un petit peu le camping-car hein, parce que ça fait 2-3 jours que je ne l'ai pas fait, un peu plus, même une petite semaine que je ne l'avais pas fait tourner. Vu que là j'ai fait essentiellement du Neverland. Et aujourd'hui je vais essayer ce produit là, Ferber Painting, c'est Yacht Varnish. Donc c'est un produit à base de polyvinyle en résine. Donc c'est un truc pour les bateaux, pour les pour tout ce que tu veux. Tout ce qui est plancher. Bon, je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer à en étaler un peu là, voir ce que ça donne sur mon plancher, puisque c'est un plancher que j'ai installé mais que j'ai pas verni. Et alors la difficulté c'est que je peux pas trop me baisser, donc je pense que je vais utiliser un balai, tu sais, pour m'aider, pour pas trop parce que j'ai pas trop ce qu'il faut, mais je vais quand même essayer. On va voir ce que ça donne, ma foi, ce produit là. C'est parti, on va tester. Bon, je viens d'en appliquer un petit peu là. Ça a l'air pas mal, ça a l'air sympa. Le produit, après, est-ce que ça va faire les 12 mètres carrés qui est indiqué sur la boîte pour faire exactement la terrasse? Ça m'étonnerait, on va voir. Et de rien, il y a quand même la surface, 12 mètres carrés. Bon, je sais pas trop si ça va le faire, on va voir. Bon, ben voilà, bon, on a l'habitude, hein. C'était préconisé pour faire la surface de la terrasse, mais comme tu peux le voir, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, et encore, je compterai même pas la sixième. La sixième planche là de coffrage, bon, voilà. C'est presque la moitié. Voilà. Ah, on a l'habitude, c'est vrai qu'à chaque fois, ouais, voilà, vous pouvez faire tant de mètres carrés, mais non, on le sait. Bon, je savais bien. Bon, mais il faudra m'en acheter quelques-uns. Mais c'était pour en faire l'essai. Tu vois, c'était pour faire le test de. Est-ce que c'est vrai ce qu'on annonce? Bon, c'est vrai que le bois est quand même un peu poreux, mais pas à ce point-là, puisque c'est traité, c'est des planches qui sont quand même traitées avant de partir à la vente. Voilà, c'est pas non plus brut de décoffrage, mais c'est poreux quand même, c'est normal que ça boit un peu. Bon, après, le produit, il est pas mal, un produit de chez Ferber, là, il s'allonge assez bien, c'est assez liquide, c'est sympa, je pense que c'est... Mais enfin, il y en a qui disent que dans le temps, ça s'effiloche. Ça crée, bon, dans le bois, je pense pas, mais après, sur peut-être certains revêtements, que ça crée, tu sais, comme une pellicule qui va s'en aller. Bon, de toute façon, je rachèterai autre chose. Et puis voilà, c'était pour le petit test d'aujourd'hui de la terrasse, voilà. Sinon, par ça, il fait une belle journée. Il fait très, 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 très beau. Et c'est pas mal parce que ben, on est quand même en hiver, donc ça fait plaisir, mesdames et messieurs. On se retrouve très vite dans les autres petites vidéos. Puis voilà, ciao ciao tout le monde. Petit feu de bois là, à Neverland, avec le Pearl qui est là. Je sais pas si on le voit pas, mais il est là. Et puis j'ai mon frère qui est là, qui est venu me voir avec son camping-car, on voit rien. J'ai pas pris la lampe de poche, on est en pleine nuit. Et c'est un pur moment, quoi. Le coin du feu, ça c'est un truc au sol, tu sais, comme les Indiens. Parce que ça me fait encore plus rêver que le barbecue, si tu veux, conventionnel, quoi. Je sais pas si on voit son camping-car là derrière. Peut-être un petit peu on discerne. Il aurait pu allumer une lumière. Et là. Ben c'est un petit moment sympa, on n'a même pas fait griller quelque chose parce qu'on a fait un bon repas à midi. Et regardez comme c'est beau. Dans la nature, la paix absolue, quoi. Dommage qu'on voit pas mon camping-car allumé là. J'aurais dû laisser une petite lumière. Regardez comme c'est joli. Moi je m'en lasse pas de ces moments comme ça au coin du feu. C'est un pur moment agréable. On peut parler, il n'y a pas trop d'étoiles ce soir parce qu'on a un peu de nuages. On est couvert mais il fait pas si froid que ça.
On est quand même en hiver et l'air de rien, ben, au coin du feu, on est bien. Voilà, donc c'est vrai que c'est revigorant d'être à l'extérieur comme ça, les petites lampes solaires qui sont tout autour du terrain, qui allument. Ben, c'est magnifique, quoi. C'est un bon moment, j'adore ces moments-là.